بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Chers frères, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, notre pourvoyeur. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde une fois de plus l'opportunité de cette salade de Jumu'ah. Nous sommes dans ce mois de Shawwal, Et Allah subhanahu wa nous a facilité le mois de Ramadan. Et il est toujours d'usage, il est toujours profitable de rappeler, lorsque le mois de Ramadan se termine, de rappeler le devoir que chacun de nous, nous avons de la constance, ce qu'on appelle l'istikamah. Nous savons que le mois de Ramadan était une période plus propice à Notre adoration à nos actes de salat de qiyam al-layl, de saum de sadaqa, etc. Il y a une certaine ferveur, il y a une certaine ferveur générale. On se sent emporté par un certain mahol, un certain environnement qui nous porte vers ces adorations de manière plus naturelle, de manière hein, de manière plus aisée. Et évidemment, lorsque cette période se termine et on ressent Chacun de nous, parce que nous sommes êtres humains avant tout, et avec nos limites, on ressent un certain changement. Mais malgré ce changement, qu'on peut ressentir de manière tout à fait évidente, parce que le mois béni n'est plus là, il n'y a plus, entre guillemets, cette magie du Ramadan. Mais pour autant, le serviteur, il a le devoir de toujours rester concentré et de. Continuer à faire ce qu'il a l'habitude de faire en vue du plaisir et de l'agrément d'Allah. Que le mois de Ramadan, il se termine, mais nos salats al-Khamsa, eh bien, elles restent une obligation pour tout croyant, pour tout croyant et croyante. Que tout comme nous avons été proches de ce Coran durant le mois de Ramadan, eh bien, lorsque le mois de Ramadan se termine, le croyant est. Et la croyante, celui et celle qui veut réellement continuer à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il ne peut pas se détacher du Coran. Il ne peut pas se suffire de sa relation avec le Coran pendant Ramadan. Il ne peut pas se dire, je fais un khatm al-Quran, maintenant je verrai l'année prochaine. Les onze mois, qu'est-ce qu'on va faire hein Est-ce on va les laisser partir dans la rafla est-ce que maintenant le temps que j'estime, que j'estimais, je considérais à sa juste valeur pendant Ramadan, eh est-ce que ce temps-là, maintenant, je vais me permettre de le laisser partir, en fumée, de le, de le dilapider et d'être insouciant quant à la gestion de mon temps Donc, finalement, le croyant, il est là, il reste concentré dans ses obligations. Hein Donc, chacun de nous, on a ce devoir après ce mois de Ramadan. Et eh bien de continuer à accomplir nos bonnes actions. Les actions obligatoires, ça ne se discute pas. Hein? Les cinq salades quotidiennes, ça ne se discute pas. Le halal d'Allah reste le halal. Le haram d'Allah reste le haram. Les obligations, hein? restent les obligations et les interdits ne changent pas. Après le mois de Ramadan, il n'y a pas d'action qui serait interdite pendant le mois de Ramadan et qui devient licite. Après le mois de Ramadan, donc ça, c'est le devoir du croyant de rester intelligent quant à la gestion de ses différentes a'mal, de ses actes cultuels. Et à côté de cela, il continue. Comme pendant le mois de Ramadan, on est aussi dans les actions nawafil, dans les actions surérogatoires. Eh bien, on continue. On rappelle, on a rappelé le Coran. Hein le Coran, c'est un, c'est un lien quotidien que chacun de nous, nous deux, on doit avoir, chacun de nous, on doit se dire soi-même que qu'est-ce que c'est possible que je passe beaucoup de temps chaque jour dans d'autres activités hein, et que c'est parce que le mois de Ramadan est terminé que je peux maintenant négliger le Coran. Non, chacun de nous, on a le devoir spirituel vis-à-vis d'Allah, chaque jour d'ouvrir le Coran, de lire au minimum une page ou quelques versets. On rappelle cette parole de Mas'ud, qui disait que je déteste cette journée qui s'est écoulée sans que mes yeux ne se soient pas posés sur la parole de Le croyant, eh bien, il doit se dire, j'ai tout fait, mais est-ce que aujourd'hui j'ai touché au Coran Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai lu le Coran Est-ce que j'ai lu... Quelques versets du Coran, même si c'est en fin de journée ou avant de dormir, prenez le Coran et lisez quelques versets. C'est ça la relation du croyant avec Allah subhanahu wa taala par le biais de sa parole. Tout comme pendant le mois de Ramadan, nous accomplissions les actes nawafil mashallah Beaucoup, eh bien, on a fait ce qu'on appelle le intizam de salat, de tahajjud, parce que c'est Ramadan. Hein, on va faire tahajjud, tahajjud, mes frères. C'est un secret parmi les secrets d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celui qui veut réellement cheminer vers Allah Subhanahu eh wa Ta'ala, bien, il ne peut pas se détacher de Tahajjud. Ce n'est pas parce qu'on ne se lève plus pour le sehri le suhur qu'on ne se réveille plus pour accomplir nos restes de rak'at. On va pas loin. Le Coran nous a dit une page, quelques versets. Qiyamul Layl seulement deux rak'at si on peut, celui qui peut faire plus, mashallah. C'est très bien, c'est un moment exceptionnel, l'heure qui précède le Subh al l'heure, le moment qui précède l'heure de la salade de Fajr, et tout serviteur a le devoir de ne pas laisser passer ces occasions-là. Tout comme pendant le mois de Ramadan, on a fait attention à notre utilisation du temps, des écrans, du temps, des choses extra, eh bien on continue dans cette lancée-là, Inch'Allah. C'est sûr que ce ne sera jamais comme Ramadan, mais on peut continuer à faire l'effort. On peut continuer à faire l'effort. Deux rakat nous le savons. Hein, et Allah subhanahu wa a voulu ainsi que là, le mois de Ramadan se termine. Bientôt, inshallah, on sera hein, dans les heures d'hiver. Les nuits sont en train de se prolonger. Les journées sont en train de se raccourcir. La salade de Maghrib, de plus en plus tôt. La salade de Isha, de plus en plus tôt. La salade de Fajr, de plus en plus tard. Le lever du soleil, de plus en plus tard. Hazrat Omar il avait l'habitude de dire, ⁇ Ashitahu, Rani Matulah abidin » Il disait que l'hiver, c'est le butin des adorateurs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est-à-dire que les croyants et les croyantes qui veulent se rapprocher d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, eh bien, quand arrive l'hiver, c'est un moment de joie exceptionnel. Et Ibn Mas'ud, Radillahuta ta’ala il disait, ⁇ Marhabam » Il souhaitait la bienvenue à l'hiver. Oh hiver, bienvenue à toi. Pourquoi Eh bien, c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa taala nous fait durant ces journées, ces nuits de cette saison d'hiver. Hazrat Umar, eh bien, il nous encourageait. Il disait que l'hiver, les nuits sont courtes pour qu'on puisse faire le al leil et prier Allah subhanahu wa taala. Les nuits sont longues pour pouvoir et et les journées sont courtes pour pouvoir y jeûner. Celui qui veut jeûner, eh bien, ce sera le moment idéal. Celui qui a des cravats, il a déjà à rattraper, c'est le moment idéal. Le souhour il est tard et le futur, il est très tôt. Alhamdulillah. Et on est dans le mois de Shawwal, mes frères. Qu'est-ce qui est recommandé dans le mois de Shawwal? Eh bien, il y a les six jours qu'on doit jeûner durant le mois de Shawwal. Quand on dit les six jours du mois de Shawwal, il faut comprendre que c'est jeûne de jeûner six jours à n'importe quel moment de Shawwal. On n'est pas obligé de les faire suivre les six jours-là. Il n'y a pas une date précise pour les jeûner durant. Le mois de Shawwal. Et le prophète, alayhi wasallam, dans le hadith de Hazrat Ayyub al-Ansari, ala, il a dit Celui qui a jeûné le mois de Ramadan, celui qui a jeûné le mois de Ramadan, puis l'a fait suivre de six jours de Shawal, c'est comme s'il avait jeûné tout le temps, rapporté par un Muslim. Et un autre hadith, selon Thawban, le prophète alayhi wasallam, a dit, jeûner le mois de Ramadan équivaut à dix mois de jeûne. Et jeûner les six jours de shawwal équivaut à deux mois de jeûne. Cela correspond à jeûner une année entière. Dans ce hadith, eh bien, on comprend que celui qui jeûne, un jour du mois de Ramadan équivaut à dix jours. Donc trente fois dix, ça fait trois cents. Plus les six jours de Shawal multipliés par dix, ça fait soixante. Ça fait donc 360. Ça fait une année entière de jeûne qui parmi nous va donc délaisser un tel mérite. Une année de jeûne. Donc mes frères, une des plus grandes erreurs que le croyant peut faire, on peut, on peut être amené à faire, à commettre, eh bien, c'est qu'après le mois de Ramadan, on pense que ce mois de Ramadan, ce mois d'effort, ce mois... De grands efforts sur soi-même, eh bien, c'est de penser que ce mois est parti avec les bonnes œuvres, est parti avec le bien, ce mois est parti avec tous ces efforts qu'on a fournis tout au long de ce mois de Ramadan. Et quelque part, ça ne sert plus à rien de fournir encore des efforts après le mois de Ramadan. C'est une grave erreur, parce que Rabbu Ramadan, hein, le Seigneur de Ramadan, c'est aussi le Seigneur du reste des mois. Et le mois de Ramadan, eh bien, c'est une école, c'est un entraînement pour pouvoir continuer les œuvres après Ramadan. Et connaître Allah vraiment, c'est d'apprendre à le connaître pendant le mois de Ramadan et continuer à le connaître en dehors du mois de Ramadan. C'est de redoubler l'effort durant le mois de Ramadan et continuer à être constant hein, et régulier dans l'adoration d'Allah subhanahu wa taala après le mois de Ramadan qu'Allah subhanahu wa me donne à moi-même en premier et à nous tous le temps de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique et de propager. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin.